Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, petit unboxing sur la chaîne et on va découvrir ensemble des mystery box Stranger Things. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est des petites boîtes mystères avec pas mal de petits personnages. Hop. À l'intérieur, on a un peu tout, des Démogorgons, 11, Lucas, Will, Dustin, etc., etc. Et dans ce lot, on a trois exclusives. Donc j'ai deux boîtes comme ça. Donc là, c'est marqué ici en haut. Exclusive. J'en ai deux comme ça. Et deux classiques. Donc les classiques, pareil. Hop, je vous montre un peu. Voilà, c'est quasiment la même chose. Sans les exclusivités. Alors, on va commencer tout de suite. Déjà, moi, j'en avais quelques-uns dans ma collection. Donc j'ai déjà les deux démons gorgons, c'est vraiment ce que je voulais donc, principalement. J'ai 11 avec ses cheveux. J'ai le petit Lucas. Et là, je pense que c'est la copine du frère à Will, si je dis pas de bêtises. Hop, on va mettre tout ça sur le côté. On va commencer par celui-là. Hop. Donc pour te casser pas, ça se présente comme ça, et devant il y a le petit sachet. Hop. On a ça avec le petit talkie-walkie. On l'a pas, ça fait plaisir. On va les mettre ici comme ça, hop. Bon, le but est d'avoir Dustin et Hopper. Hein. Hop, et peut-être une exclusive si on... On a un peu de chance. Hop. On continue. Hop, dans la même édition. On garde aussi les exclusifs pour la fin. On va tous les avoir. Hein. Ça, c'est plutôt bien. Sac à dos, voilà, toujours pas de Dustin et de Hopper. Hop, on va s'attaquer maintenant aux exclusives. Bon, je rappelle que c'est chez Funko. De base, c'est assez cher. Moi, j'ai pu l'avoir un petit peu moins cher, mais ça va coûter au moins 8 euros. Je pense qu'on l'a déjà. Ouais, bon, c'est un peu dommage, on l'a déjà. J'espère que sur celle-là, une toile exclusive, j'espère que celle-là, on aura plus de chance. Je pense que c'est le même. C'est vraiment dommage d'avoir deux fois le même. Pas de chance, ça, vraiment. J'ai trois fois le petit Will. Bon, c'est pas grave. On pourra en donner et en faire gagner en concours, pourquoi pas aussi. Hop, je les mets là pour qu'on les voit bien. Bon, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un petit unboxing de temps en temps sur la chaîne, ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, le petit commentaire, à vous abonner, à partager. Vous savez déjà tout ça. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour du gaming cette fois-ci avec du Destiny, du World War Z et plein de belles choses. Allez, tchuss!